Donc, troisième confrontation de ce duel au sommet entre Skyrose et moi. Cette fois-ci, ce sera avec les points américains. Alors, au dernier épisode, Skyrose avait triché un petit peu en mettant chargeur rapide. Cette fois-ci, il n'y a pas d'accessoire. Donc, on est sur un même pied d'égalité. Alors, j'ai mis point rapide. Alors, on est parti, toujours sur la même map, sur Nuketown. Et donc, pour le moment, nous sommes à un point partout. J'ai remporté la MX Garand, tu as remporté le Marshall 16. Donc, c'est parti pour cette nouvelle confrontation. Arbitre ? Vas-y. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai que c'est la troisième manette. Simplement, on va rester dans le ring. Ouais. Tout se passera au milieu. Là en fait, où tu vois le bitume, on va le voir, on va se mettre là. Là où tu vois le bitume, c'est là où ça va se passer. Là, comme on peut voir ici, tu vois la petite partie en bas à droite. D'accord. C'est là. Tout le bitume, en fait, c'est là où on peut se frapper. D'accord. Et en dehors du bitume, non. On n'a pas le droit de se frapper en dehors du bitume. Non. Si on reste debout, on peut rester côte à côte, on n'a pas le droit de se toucher. Voilà, tu restes dans le ring. D'accord. C'est le but du jeu. Parce que sinon, on passe notre temps à chercher, comme ça au moins on sait où on est. Okay. Et ça va... Parce que sinon, déjà au Marshall, on a tourné pas mal. Il n'y a pas de. Ouais, moi j'aime bien, moi, quelque part. C'est vrai que sur des armes comme ça, c'est mieux. C'est mieux de garder, de limiter la zone, voilà. Ouais. Tu vois, on reste dans le bitume. Donc, il n'y a pas très large du bitume. Tu vois, t'es là, je rentre, allez. Alors, tu viens ? Skyrose, putain, je crois que j'étais vraiment assommé même dans la vie. T'as plus parlé après. Non, mais bon. Allez, rentre dans le bitume. Oh, c'est incroyable. Ah, moi, j'ai un direct qui est assez assez impressionnant, je dois bien l'avouer. Ouais. Mais bon, j'ai été entraîné quand même. Oh merde, je t'ai raté. Putain, j'ai failli te frapper. Mais oui, Skyrose, pourquoi tu t'abaisses? Là, tu me donnes ton menton, mec. Tu veux que je te décroche le menton? Oh, non. Oh, non, c'est pas possible, j'étais en l'air. Attends, je veux vraiment le voir, celui-là. Je t'ai niqué en l'air, mec. Ouais, c'est pas normal. C'est pas normal. Bon. Putain, c'est incroyable. J'étais même pas dans le bitume. Tu m'as tué hors du bitume. Hein. Ah non, t'étais dans le bitume. Regarde ton cadavre, il est où? Ah ouais? Bah, il est où ton cadavre? Vas-y, viens. Ah, je suis pas dans le bitume. Attention. C'est tellement abusé, t'as l'impression qu'il y a un commando comme sur MW2, quoi. Et si par exemple... Et... Non, bâtard. Tiens, allez. Alors là, je t'ai mis un knockout, mon pote. J'ai vu ta bouche, elle est partie de l'autre côté. Elle est partie sur une autre map, ta bouche. Ah, t'es... Non, non, il compte pas le point. Attends. Pourquoi il compte pas? J'étais là. Non, je suis sur le bout de verre. Bah, c'est normal, t'as glissé, ton corps il est. Mais moi tu m'as dit que sur le bitume ça compte, sinon à côté ça compte pas. Bah non, mais je t'ai frappé là, après t'as glissé. Oh là 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 là, les règles qu'ils ont. Ouais, sois pas de mauvaise foi non plus. Oh là là, moi franchement je suis impressionné. Hein. J'aurais cru que. Parce qu'on était potes et tout, il y aurait pas de tricherie, mais je m'attendais pas du tout à ça. Hein. Pas de rage, je te frappe direct. Regarde-moi ça, il a peur! Oh! T'es. Ah! Ah! Non! Putain! Oh! Oh, bien joué! Oh, j'allais dire, tu sais ce que j'allais dire? Le mec qui vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué, il allait dire, putain, si tu m'avais eu, ça aurait été bien joué. En fait, je te voyais faire le tour comme un con avec ton truc, je dis, je vais attendre allongé, tu vas passer devant moi et je te mets une patate.
Ah, bien joué. Bien joué, bien joué. Ça va être vraiment très juste encore cette confrontation. Oh merde. Je t'entendais mais je savais pas. Oh d'accord. Putain. Ah voilà, bien joué. Casse-toi. Allez, boum, boum, je peux plus te voir. Oh merde, plus de jus. Ah. Ouais. Non! C'est pas possible! Si, si, tout est possible avec la carte Kiwi. J'ai mis le pillard, heureusement, parce que là je ramasse des munitions. Ah! C'est tellement kiffant ce bruit. Grave! T'as l'impression de pas respecter l'autre, quoi. Du point américain. Tu sais, sur le coup, ils mettent des variantes d'armes, des fois tu trouves ça un peu loufoque, tu sais, genre le pied de biche ou quoi. Mais faut admettre que le point américain, c'est quand même. Il y a son petit kiff, quoi. Moi, j'allais dire, j'ai tiré. T'étais devant moi, j'ai mis le truc, mais ça n'a rien fait. T'es où? Et tu sais quoi? Je t'avais perdu de vue, quoi. Tu connais l'émission? Ouais, oh, c'est vieux ça ou ça existe encore? Grave, c'est vieux à mort, ça existe plus. Maintenant, il y a copain d'avant. Copain d'avant. Et copain. Ah, oh. Je peux pas gagner sur les glissades comme ça. Pourquoi? Bah pour le t'auras automatiquement l'avance. J'avais fait le test avec Saxi, il y a automatiquement l'avance. Tu sais ce qui s'est passé là? T'étais en fin de glissade et moi comme j'avais reculé, du coup j'ai même pas eu besoin de glisser pour venir. Oh non 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 non. Ah, V12 prend l'avance malgré une lutte acharnée. T'es où? Ah bah, voilà. Pff, ah j'avais là pour le coup j'avais turbo. Hein. Ouais mais turbo c'est pas Mbot non plus. Hein? C'est pas Mbot et Turbo. Ah. ça me fait tellement rire, tu sais, c'est comme. Je le sais, hein. Je sais. Je sais que tu peux. Oh. Toi, c'est sur tes sauts à la con comme ça que t'arrives à me baiser. T'as combien de sensi, toi? Attends, je regarde ça. 8. Ah ouais. Putain, j'ai failli te la mettre. Hein. J'aurais pas fait exprès parce que c'était vraiment en mode. Ah bah oui, parce que là j'étais dans le menu donc. T'as combien de sensi, toi? Attends. 4. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Dès que tu me sautes au-dessus, je suis perdu, mec. Hein. Eh, d'accord. Non. T'es un bâtard si tu fais ça. Oh mais arrête. C'est dégueulasse. Maintenant tu vas me faire chier à sauter au dessus de moi et je vais être perdu, je vais devoir faire. Oui, c'est un peu le but gamin. Ah mais c'est. Oh en plein en si... dans le ciel. Je t'ai mis une droite aussi. Hein? Ça marche aussi. Oh! Ah. Et tu vois, regarde, là je l'avais le boost, j'avais l'avance normalement, mais ça marche pas. Hein. Quand on fait de la glissade, ça marche pas. Le boost c'est particulier parfois. Hein. C'est à dire que des fois tu comment dire? Tu lances ton boost et en fait ça te. Comment dire? C'est plus préjudiciable qu'autre chose. Oh!
Ouais, y a des moments, t'as l'impression de déclencher le coup de poing et il passe pas. Ah non, là c'est pas qu'il avait pas passé. En fait, t'as fait un comme si t'avais fait un pas de côté. Du coup, moi j'ai mis le coup de poing dans le vide. Comme si j'avais mis le coup de poing dans le vide et en gros tu m'as repris comme si t'avais fait un esquive quoi. Oh, regarde-moi l'enfoiré! Ah ouais, j'ai voulu faire une petite technique de de crapule. Est-ce que tu vois en dessous du car si tu te mets comme ça? Non, tu vois pas. Je pense pas. T'es où? Non, tu vois pas. Non, je suis allongé, je regardais si on voyait en dessous du car. Allez, en l'air. T'es Oh! sérieux, tu m'as pas vu? T'étais où? T'es vraiment un Tu m'avais enfoiré! pas vu, je crois que tu m'avais vu, moi. Mais non! Moi, à force de chercher dans le bitume, j'ai regardé que dans le bitume. Bah ouais, j'étais au-dessus quoi, après je suis allé mais. Ah là, par contre, ça me plaît moyen que tu reviennes à ce point-là. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai envie de faire. Ah, oh, Je sais pas, Karim, je sais pas. C'est qui avait gagné entre toi et Saxi? C'est moi. Les deux confrontations? Non, il avait gagné au pied de biche, j'avais gagné à l'épée. J'ai vraiment. Allez. Là, il y a un truc bizarre parce que j'ai l'impression que t'as pu remettre un coup très très vite. Alors que normalement, la cinématique, elle est longue, le moment où tu rates. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon, ce match a pas l'air est pas aussi intéressant que tout à l'heure. Bah, le problème, c'est que c'est beaucoup de. En fait, faut juste déclencher au bon moment. Après, certes, sachant que. Enfoiré, t'es trop un enculé de faire ça. J'ai J'aurais senti. jamais dû ouvrir ma gueule que j'ai une faible sensi, hein. Ah, j'ai attendu que tu sois en bout de course, tu t'es arrêté, boum! Non, en fait, on n'aurait pas dû le faire en 30 points avec le point, parce que ça fait un petit peu long, je pense. Vous l'aviez fait en combien de points, vous? Je crois qu'on avait fait 2 fois 15. Oh non! 2 fois 10 ou 2 fois 15, une fois sur Sako, une fois sur Mako. Truc du genre. Ah là, je t'avais entendu. En Ah fait, quand tu colles contre le, je sais pas si on peut appeler ça un car ou un bus ou je sais pas quoi, un truc de transport de robot là, ça fait. Oh l'enfoiré, t'es vraiment un enfoiré. Bah la fouine mon pote, la fouine. Bah en fait, ça fait un putain de bruit du coup. Alors maintenant, faut que je regarde tous les corners. Regarde-moi ça, ça va se cacher derrière l'autre. Ça va venir ici. Et ça va se prendre un coup. Ah. Ah j'ai mal Est-ce que dirigé mon père. Tu mets des coups de tête quand tu veux te frapper? Des fois. Moi j'ai ce réflexe de mettre un coup de tête. Ça veut dire qu'en là je suis pas. C'est pas impossible que je finisse genre trop près de ma cam, tu vois. Ah putain. Ah non mais ça tu es vraiment un enfoiré parce qu'en plus le nombre de confrontations qu'on va avoir avec des trucs de corps à corps, à chaque fois tu vas me faire ce genre de truc, à chaque fois tu vas me la mettre quoi, c'est relou. Faut vraiment que soit j'augmente ma sensi, soit que je sois plus malin dans ma façon de me déplacer. Merde. Bah augmente ta sensi déjà, 4 c'est pas. Enfin bon après tu vas me dire à la mitraillette il faut avoir une sensi un peu plus élevée. Enfin moi je joue avec 8 avec toutes les. Ouais, mais t'as l'habitude. C'est comme Gota il joue à. Je sais plus, il joue à combien? Ah mais non. Hey, mais tu vas pouvoir me la faire 50 fois, 50 fois tu vas me la mettre quoi. Et c'est surtout que quand je me vois sur ton gameplay, j'ai l'impression d'être tellement inoffensif.
Elle était bonne celle-là. Ah oh, putain, je suis ressorti. Ah, il se barre. Ah, c'est le turbo qui a fait ça. Ah, merde. Putain, t'as eu une sacrée allonge quand même là. Tu sais pourquoi? Hein? Bah non. Bah non, je sais pas non plus. C'est cool. Arrête de sauter, barre-toi! Putain. J'arrive pour te tuer. Bah arrête! T'as glissé ou pas? Non. Oh! Mais c'est pas possible! Oh, comment il est venu te shooter à l'arrière, mon pote! Non, mais j'étais même plus devant toi! Ouais, je sais, mais bon, il est parti te chercher. Bon. Encore deux frags pour moi. Je me méfie de toi parce que t'as tendance. Regarde! Heureusement que je suis ressorti! Si j'étais pas ressorti, je me la prenais, hein! Ah, oh, le petit malheur, regarde! Ah, tu crois que je la connais pas? T'es glissade, je peux rien faire. Tu utilises toi tes palettes? Ah, ouais, bah oui. Ah, ça y est, je suis mort. Ah non, c'est bon. Ah, t'étais perdu toi-même. Oui. Merde! Wow. Si tu me l'avais mis! Putain, j'aurais été tellement vénère, je fais putain la règle du bitume. Ah non, non, non. BAM! Poignard furtif! Est-ce que tu m'as vu en train d'essayer de taper dans le vide pour me retourner? Un petit peu. C'était rigolo. Pouah! Putain, ça rend ouf. Tu sais que j'ai mené pratiquement toute la game. Si je me fais remonter maintenant, je serais tellement vénère. Mais non, putain! Arrête de te cacher comme une salope! Bah, je savais que t'arrivais, mec! J'attends de te localiser avant de rentrer dans le truc. Ah, t'es par terre! Eh, tu sais que je croyais que c'était un cadavre! Tu te souviens la technique comme dans les anciens Call of où tu faisais triangle? What? T'étais même pas sur moi! T'étais à 5 millions de mètres de moi! T'étais même en l'air. Tu vois, c'est le même que tu m'as fait tout à l'heure là quand j'étais en l'air. Il est où, Karim? Il est où? J'suis tellement concentré. Ah l'enfoiré, il est à l'extérieur. T'as vu où je suis là? Ouais, j'ai vu. Hein? T'as vu où je suis? Tu peux pas m'avoir ici. Mais regarde-moi ça, il veut pas rentrer! Je suis là. Oui! Non, j'avais mis mon turbo! Mais en plus, j'étais derrière toi quoi! J'étais derrière toi! Ça, c'est sûrement à cause du turbo ça! Fais voir! Tac! T'avais ton turbo aussi? Non, regarde! Ah ouais, c'est n'importe quoi! Le même pote là! C'est n'importe quoi! Oh, c'est pas grave! Bon. C'était serré quand même! Ouais, franchement, ouais, c'était vraiment super serré! T'as réussi à trouver des petits moyens pour me casser les couilles! Grâce justement à ta sensu qui est carrément plus haute que la mienne. Ouais, franchement, ça laisse présager des choses assez drôles sur les futurs épisodes. Alors là, c'est vrai que cette fois-ci, on n'a pas pu respecter la règle de « on s'invite mutuellement » parce que bah, du coup, c'est vrai qu'on a enchaîné sans pour autant... Bah, mais si c'est pour s'inviter difficilement aussi, après, bon... Faudrait qu'on trouve, peut-être que ça marchera la prochaine fois. Bah, ouais, peut-être que ça au pire, la prochaine fois, on fera les 3 sur taco. Après voilà, certes quand on n'est pas sur le... Enfin, quand il y a une différence de co, ça peut être chiant dans le sens où il y a des différences et tout. Mais quand on voit comment ça... Pourquoi ça existe? Je sais pas pourquoi. Pendant... Comment ça... Saxo. Vas-y, appelle-moi Jean-Philippe si tu veux. Bon, quand Skyro s'est débrouillé malgré qu'il était sur ma co... Ouais, honnêtement, je suis quand même agréablement surpris. Parce que pour l'avoir fait contre Saxi, on avait vraiment vu que bah, à certains moments la différence de co peut vraiment avoir son avantage. Et je suis quand même agréablement surpris de pas avoir été ridicule face à ça quoi. Je veux dire bon, on a finalement il y a 2-1 au final, mais les scores étaient relativement on va dire serrés ouais, c'est clair. Total. Donc finalement
Bon, on verra ce que ça donnera sur le prochain épisode qui sera sur Mako. On verra finalement si Lako a un réel avantage. Parce que bon, faut savoir que là, le décalage est dans les deux sens de toute façon. De toute Donc, il y a façon, certes. on l'a bien vu sur le Marshall. En fait, si vous regardez le gameplay, si vous regardez très bien le gameplay, des moments, Skyros est pas du tout sur moi. Et il arrive à me fraguer en étant décalé, ou je sais pas, peut-être que lui me voit à un endroit et moi, en fin de compte, j'en suis à un autre et il faut Bah la kill ouais, il y a cam. ça. Mais bref, c'est vrai que c'est un problème. Après, c'est soit on décide de passer outre, et de toute façon, en définitive, c'est vraiment histoire Ouais, de c'est pas grave, on s'est se. amusé, Voilà. c'est le principal, on s'en C'est histoire fout. de se détendre, donc on Y se a rien prend à pas trop la gagner. tête. Ouais, c'est ça. Et voilà. Bon, en tout cas, c'était quand même plaisant. Ça fait vraiment, ça fait plaisir. On n'a pas refait de vidéo depuis très longtemps. Et là, du coup, avec cette série-là, on est obligé, entre parenthèses, d'être un minimum sérieux et de se donner des nouvelles régulièrement par rapport à ça. C'est vrai que souvent, on se donne des nouvelles, comment ça va pour ci, pour ça, mais on n'avait pas. Enfin, c'est quand même assez compliqué de se caler à un moment bien précis pour bosser sur ces trucs-là. Donc, il y aura des séries sur la chaîne de Skyros, il y aura cette série-là sur la mienne. Donc, sur la chaîne de Skyros, reste seulement à déterminer ce qu'on va faire. Mais en tout cas, ouais, on va avoir des petites collaborations maintenant relativement régulières, histoire de, bah voilà, histoire de vous faire plaisir. Et j'espère que c'est le cas. En tout cas, si la vidéo vous a fait plaisir comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et surtout n'hésitez pas à nous proposer les trois prochaines. Enfin, je sais Arme. pas encore si je vais proposer les trois gameplays, enfin les trois Bon, on pourrait en faire parties. que deux parce que après c'est vrai que je sais pas ouais si comme bah, pardon parce que c'est vrai que si tu proposes les trois parce que là ça fait quand même long 1 heure peut-être Non, mais divisé un peu je pense que je vais les, comment dire, je vais les séparer en comment dire, bah, 3 fois 20 minutes c'est bien. en une vidéo. Non, en une vidéo à chaque fois. Mais je vais les faire. Enfin, la série, je vais la faire sur un mois entier à partir du mois prochain. On est le combien aujourd'hui? 31. Ouais, voilà. Peut-être en lâcher une par semaine ou deux par semaine. Histoire que ça. Enfin, que la série perdure un peu. Enfin, là pour l'instant, on a une série sur ma chaîne. Sur la tienne, on va en faire une. Mais après, comme on sait pas trop ce qu'on va faire derrière, si on va continuer d'autres séries, si on va faire des petites vidéos comme ça ponctuellement, au moins ça donne l'impression en fait qu'on. Ça. Que la série voilà, perdure sur plusieurs mois ou plusieurs semaines. Donc c'est ce que je trouve assez cool. Donc en tout cas, bah, sur ce, on vous laisse. N'hésitez pas donc à proposer les prochaines armes. Et bah, sur ce, on vous laisse. Ouais, j'arrivais pas trop à trouver mes Bah on mots. vous laisse quoi. Voilà, on vous En tout laisse. cas, bon, j'espère que tout ira bien pour vous. Et merci d'avoir regardé. Et à la fois prochaine. Salut tout le monde! Ciao, bye bye.